Chaque photo contient le monde. Chaque photo contient le monde tout entier. Mille photos ne me donnent pas plus le monde qu'une. La caméra, elle, ne voit pas les pensées. Il n'y a pas de pensées. Pourquoi continuer à en prendre ? Seulement des choses. Jour après jour. Dans le film, il y a donc la présence de ce qui est là, mais qui existe seulement en fonction de l'absence de tout ce qui n'est pas là. Que ken. Pour moi, la caméra a trois aspects. L'aspect instrument de musique, où l'on joue sa partie, où l'on improvise, où l'on intervient directement. C'est drôle, c'est comme si ça voulait pas entrer dans nos catégories. Trop étroite. Le deuxième est la boxe, avec la force de frappe de la caméra et la caresse. Car les petits mouvements qui effleurent la peau des êtres et des choses m'intéressent beaucoup. Le cadre est donc toujours quelque chose d'approximatif. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus le sentiment que ce n'est plus tellement moi qui dirige le cadre, mais que j'ai simplement à suivre la caméra. Elle vole, et je vole derrière elle. Ne le regarde pas dans les yeux. L'incursion. Parce qu'on l'attrape par le regard. Le choc du photographique dans le flux filmique. Le remploi de ses propres images. Les pièces du jeu sont reprises. Elles seront relancées. Autres et les mêmes. De la même façon et différemment. Il y en a un autre, qui avait perdu tous ses doigts. Puis son mignon avait durci, jusqu'au point où il pouvait planter des clous dans le mur. La destruction physique. Avec la main. Avec ce qui lui restait de main, il enfonçait des clous. Avec la main. Avec ce qui lui restait de main, qui avait perdu tous ses doigts. Thank you.
Faire du cinéma consiste alors à mettre à l'épreuve une présence au monde. Gilles Moilic. Présence intranquille et sensible, tout autant curieuse et étonnée devant les énigmes de l'inconnu que devant l'intelligibilité des choses les plus proches. Les grosseurs de plan, un cadre fixe, ou en mouvement, une composition d'images plates, ou en perspective, des mouvements glissants ou saccadés, harmonie, ou des accords entre les couleurs, les tons, chaud, froid, clair, obscur, une liaison explicite ou associative, conflit ou assonance, entre l'image et le son, mélange ou concurrence entre bruit et musique, mélange ou concurrence entre texte et musique. Un texte synchrone ou non synchrone. Régularité et variation rythmique. En bref, le jeu infini des liaisons et séparations au sein de la matière. Des visages multipliés, où l'on n'est plus qu'un point de plus en plus perdu et lointain. Chaque photo contient le monde tout entier. Clic est le plus beau bruit du monde. Clic. Sommeil par effacement. Région des passages et des doubles, et des choses vues sans vision. Tout se fait horizon. Tout se rapproche. Tout se hante. Thank you.
Enfin, le médicament, il arrête la progression du mal. Il empêche la destruction physique, non? La destruction physique? Oui, la destruction physique. La destruction physique. Crise de la position. De la perception et de la situation. Devant ce qui est déjà hors temps. Veillez aux prémonitions et aux réminiscences. Le cinéma, donc, c'est le montage. Jean-Daniel Paulet. Le cinéma ne demande pas au spectateur de faire le voyage dans une image. Il lui impose. Au-delà, il y a entre images l'espace d'une colure où se promène la liberté. Ces éléments de base, images et sons, vont un beau jour se retrouver égaux devant la table de montage. La destruction physique. Il y aura là, à ce moment, un nouveau présent. L'objet résiste. Ou plus exactement, il insiste. À ce moment, il faudra rechercher des affinités, des analogies entre images et sons. Rechercher des cristallisations. Il insiste. L'aplat et la profondeur. La géométrie, l'intérieur et l'extérieur. La destruction physique. Le regard et l'écoute. La distance et la proximité. Oui, la destruction physique. L'ouverture et la fermeture. La destruction physique. Aujourd'hui, autrefois, ailleurs. Tandis qu'une clarté, un réveil aveuglant déborde et recouvre tout en silence, où l'on n'est plus qu'un point de plus en plus perdu et lointain. Interprétation sonore, Myriad Izard.